Le thème du spectacle, c'est de repartir des origines de la danse africaine et de son arrivée en Occident. Bah, c'est toi qui fais la première mesure. C'était à vous, voilà. C'est ce qu'on appelle un appel. Ça, c'est la première mesure qui est écrite sur votre partition. L'idée, c'était à travers les morceaux qui avaient été choisis en commun avec l'harmonie de Five, de montrer que la musique n'existe pas sans la danse et que la danse n'existe pas sans la musique, mais que surtout des univers qui, en apparence, peuvent être complètement à l'opposé ou même ne pas avoir les mêmes codes, peuvent malgré tout construire un spectacle ensemble. On refait avec vous. J'ai un espèce d'amas sonore là, et j'ai un peu de précision là avec le shaker et le shaker. Et du coup, c'est difficile pour moi. En plus, on a de la distance et on a un problème d'acoustique. Donc, il faut que vous soyez le plus précis possible dans ce que vous jouez. S'associer dans un projet avec de la danse africaine, de la danse orientale, forcément pour un orchestre d'harmonie, c'est pas notre public habituel. Et c'est ce qui fait la richesse aussi de ces projets-là, et de ce projet-là en particulier, de pouvoir avoir dans la salle des gens qui ne viendraient pas écouter un orchestre d'harmonie et inversement des gens qui n'iraient pas voir un spectacle de danse orientale ou de danse africaine. On s'est toujours attaché et on s'attachera toujours à mélanger les publics pour un public de qualité et un public exigeant.